takeoff and receive this right, Flight 100. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce vol Air France 1000. Ça va être un pogo à destination, donc, comme son nom l'indique, de Paris-Orly, aujourd'hui en A320. Un petit vol de fin de soirée. Bienvenue à bord. Alors, on va faire classique. On va utiliser le 320 classique et non pas le Charclets, histoire de faire simple, de pas forcément passer par le FB. Et si je vous proposais donc ce vol à destination d'Orly, et ben on va commencer à préparer ce vol. On est déjà sous APU et eh bien on va paramétrer donc le vol comme prévu. Ça, on va refuser pour l'instant. On va mettre niveau 70, cost index 20. Écoutez, un 777 de Bravo Oscar Victor, R1000. Voilà, et on passera pas par là-dessus oui, pour ce vol. Victor, autorisé, il est pour la 30, on peut descendre vers 3000 pieds, c'est un petit peu fait. Et Costan 777 à Siam. On va passer plutôt par le menu. QNH 1022. Alors, Costan 777 descend d'altitude 3000 pieds, le QNH. Payload. De la Bobet. Clear. Descend vers 3000 pieds, 1022. On va laisser un petit peu de cargo. Donc on va avoir les masses suivantes. 46 3 et 26.9. Happens 171, you are clear to take off runway 26 right, between 290 degrees at 7 knots. Donc departure runway 26 right, et ça va être... Happens 77-20, la route approuvée, le départ à l'aigle 5 Bravo, de 26 droite, niveau 100 initial. Papa Oscar. Bonsoir. À vérifier l'information. Donc information golf. Ah bah, en 67-20 là, au lecteur correct, rappelez-moi après. And Polar 1 Alpha Bar Echo, turn left heading 110. French Cluster, this is Foxtrot 2 Cliff Taxi. French Cluster 7 to Foxtrot. Taxi via Bravo, Quebec, Quebec 4, holding point on way 27 left. 72 Foxtrot taxi via Bravo, Quebec, Quebec 5, holding point on way 27 left. And just to confirm, that was Quebec 4. Roger, Quebec 4, for transport 72 Foxtrot. Air France 1000, test micro. Ah, Air France 1000, c'est beaucoup, beaucoup mieux, je vois pas ça. Effectivement, mauvais contact sur la fiche micro. Et bien, avec l'information Golf, prête à copier un pogo pour Orly. Eh bien... Air France 1000, je vous rappelle. Polar 1 Alpha Echo, press direct to Ranux. Direct to Ranux, Polar 1 Alpha Echo. 171, radar identified, continue climb level 120.
171, radar identified. Can you climb level 120? Air France 1000, donc la mise en route approuvée, le départ Papa Oscar 5 Bravo, piste 26 droite, montée initiale niveau 8-0 et transpondeur 1000. Alors autorisé pour Orly avec un départ Papa Oscar 5 Bravo de la 26 droite, le niveau 080, le transpondeur 1000, Air France 1000. Air France 1000, la relecture correcte, appelez-moi après. Et c'est copié. La loupe. Ok, estimate take off weight, on va mettre... En 77-20, et bien le repoussage face à l'est approuvé. Ah, ça va pas déjà. C'est pas grave. Donc, le ZW, on avait dit... 46-3. Airfront 171 can left direct to La Luc. Et 26-9. Le bloc C. Airfront 171, turn left to La Luc 6. Airfront 171, continue climb level 9. Donc estimated take-off weight, on est à 46 plus 5, ça fait 51. On va prendre 51 tonnes. Mac take-off weight à 26, 5 et on envoie. Niveau 8-0. Donc, doors is closed. On attend la perf. Devrait arriver. Et puis, on va aussi en prendre la météo d'arriver. Wider LFPG, c'est d'accord. Et Wider alors après. Ah, toujours LFPG. Bon, ok, il veut pas nous le donner, on l'aura tout à l'heure. Bien, on va devrait avoir la perf qui devrait pas tarder. 173, Medi-Service terminated for Frequency Change Approved, bye. 0.3, Clips 1, 2, 0.4 up. Et la Flex to Temp est à 67. Ok, ça c'est bon. Eh bien, les premières checklists, before start checklist, cockpit preparation complete, sign is on, signs donc on, fuel quantity is 5 tons, is check, take off data, V1, V2, flex to temp, insert it, bar ref 1021 is set, windows doors is closed, anti-skid nose with steering as required, beacon light is on, thrust level is idle, parking brakes is on et mobile devices off. Air France 1000, rebonsoir, prête au repoussage de la mise en route. Air France 1000, et bien le repoussage passe au sud approuvé. Et repoussage face au sud, Air France 1000. Pas où les Air France 1000
Picard, passant la radiale 170 de Bravo Tango, descendez à 18 3000 pieds. C'était pour Kenny Costa, le message. Affirme. Vous pouvez répéter et on repasse que la fin de notre session, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, il faut que ce Québec Oscar passant la radiale 170 de Bravo Tango descendait à l'altitude de 3000 pieds de QNH 2021. Hello, Captain. We are ready for Québec Oscar passant la radiale 170 de Bravo Tango descendant 3000 pieds 2021. Écoutez, un 777 autorisé atterrissage piste 30 devant du 310 pour 11 heures. Autorisé atterrissage piste 30, c'est un 777. Quoi rouler à France 27 en 77-20 et bien la sortie Tango Alpha, Tango Echo 2 puis Romeo pour Tango 9 en attente de 26 droite. Tango Echo 2, Romeo pour Tango 9 et 26 droite. Push back to the left. Departure check completed, bypass pin inserted. Release parking brakes. Brake released et on va checker, c'était 1000. All engines clear, start at will. Engine start sequence, engine number 2 starting. Flaps 1, starting number 1 engines. Set parking brakes. Parking brakes set. Waiting your confirmation for a good engine start. Engine 1 and 2 available. Donc confirme good engine start. Hop là, runway turn off, taxi, APU master switch off, APU bleed off. Engine start selector normal. Tow track disconnected, bypass pin removed. Okay, let's go for flight controls. Full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, order, full left, full down, left is clear, right full left, full right, neutral. Et le trim. Tiro 4 up, check 7. After start checklist, anti-air is not required, anti-skid nose whistering is on, aircraft status is checked, trim is set. Checklist completed.
Air France 1000, les moteurs sont démarrés, prêts au roulage. Air France 1000, roulé pendant la sortie Tango Echo 3, puis des Romeo Tango 9, point d'attente, c'est 26 droite. Alors on roule pour le point d'attente Tango 9 via Tango Echo 3 et Romeo Air France 1000. Parking brakes. Tiller on. Décollage vent de 290 pour 7. On salue et on décolle au passage droite Air France 77. Allez, c'est parti. Top breaks. Côte triple 7 dans l'état, la Beauvais. Merci, Côte triple 7, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Donc, via Tango Echo 3, donc c'est en face. Et donc, Tango. Pas la première, mais la suivante. Pardon, Romeo. Donc, première à gauche. Plutôt. Et Tango 9. Takeoff config test and normal. Et donc on a bien Roméo sur la gauche. Il n'y a pas de trafic à droite. Et pas de trafic à gauche. TPDC et je sais pas si vous l'avez reçu. Alors j'ai pas reçu le son, mais j'ai bien reçu l'éclairant. Donc je vous envoie ça, je vous rappelle. Et effectivement, on a le CRJ en visuel et notre ombre portée au sol. Et Norman qui nous donne. Hello, it's Norman. Le go pour la cabine. Thank you. Foxtrot radar identify, continue climb level 190. Continue climb level 190, French Force 72. Air France 1000, alignez-vous piste 26 droite, autorisé décollage vendu 290 pour 7 nœuds. Et on s'aligne et on décolle de la 26 droite, Air France 1000.
97.1, montez niveau unité 9-0. On monte, unité 9-0, Air France 77.1. Foxtrot, quel hélicoptère est établi et localisé en 25-21 nautiques. Landing zone, strobe light is on, nose light to take off. Donc, oubliez de faire la checklist. Et si possible, en fin de en cours, ton frein de baïonnette 25 gauche. Le transpondeur en mode Charlie. Le code transpondeur 1000, ça c'est bon. La before take-off checklist, on va quand même vérifier qu'il n'y ait personne à gauche et personne à droite. 77-20, procédez direct. Et alors, flight controls is checked. Flap setting is checked. One. Briefing perf. One way confirm, make a memo all green. Take off runway 026 right, max on today. Checklist completed. Eh bien, c'est parti. Donc, Tiller, disconnected. Chrono. Take off, Manflex, SRS, runway, autotrust is blue checked. Et la poussée est disponible. 80. 102. B1 en rotation. Et variole qui plus, le train sur entrée. Stop, pilot 1 engaged. Trust climb. Flaps retract. Et on monte niveau 8-0 Air France 1000. Alors, et altimètre standard. Pas Mitara, ça c'est pas bien, il nous manquait quelque chose. Et donc on cherche la météo de Orly. Alors, est-ce qu'on va avoir la TIS à l'arrivée? Je suis pas sûr. Alors quand même, le métar de LFPO, ça c'est bien, donc face à l'ouest je suppose. Et Air France 1000, vous pouvez me confirmer Orly face à l'ouest s'il vous plaît?
30 000 RPM, c'est correct, VLS 25. Eh bien, on configure face à l'ouest et on prévoit une ILS 25 Air France 1000, merci. Et voilà la vue sur la Tour Eiffel et sur Paris. Le Trocadéro, la Place de l'Étoile et le Jardin des Tuileries et le Musée du Louvre ainsi que le Jardin du Luxembourg. Tout y est. La magie du VFR. Merci à vous pour le contrôle et petit bonjour live. À la prochaine. C'est gentil, merci, ciao ciao. Voici l'approche from Transavia 001, good day. Transavia 001, hello. Request startup to run information hotel. I am in stand 6 in Beauvais. Transavia 01, startup approved. Expect the leg 1 whiskey departure runway 30. Initial climb to 4,000 feet, drainage 1021, and scope 1,000. You reset leg 1 whiskey, runway 30, and nothing behind.
and sorry, it's my first time in English. No problem, sir. It's the Legler 1 Whiskey, runway 30. Initial climb to 4,000 feet during H1021 and scope 1,000. Alors, pour Legler 1 Whiskey, runway 30, initial level 45, QNH 1021, and the score 1000. And just to confirm the altitude, the initial climb is to altitude 4,000 feet. 4,000 feet, okay. 01, we're back, is correct, report ready. Okay, it's ready for me. Initial level 4,000 and the QNH 1021, score 1000. 01, just to confirm, so you're now ready for push and start? I confirm for push and start. It seems like 01, then pushback is approved. Facing south. Pushing back, it's approved, facing south. Et Alphonse 1000, descendez à altitude de 3000 pieds, le QNH 1021. Et 3000 pieds, 1021, pardon, Air France 1000. Eh bien, Trosside Isle Open Descent. Le QNH inchangé. La France 3965, la mise à route approuvée, le départ Eric Schmitt, voilà. Bravo, piste 26 droite, niveau 120 initial et transpondeur nul. Du 3965, la relecture correcte, rappelez-moi après. Et 3965, le repoussage face à l'ouest approuvé. La France 1000, tournez à gauche, cap 050, guidage radar, ILS 25. Par la gauche, cap 050, guidage ILS 25, qui est à France 1000. Il y a 1060, la tour de Roissy, bonsoir, pour une mise en route à destination de Rennes. On a 1060 de Gaulle approche, bonsoir. Il me manque une en route de votre plan de vol, j'ai simplement un direct entre Beauvais et Rennes. Alors attendez, je revois ça, quand il y a 1060. Merde. Gardez 210 nœuds, ça m'a l'air bien. Hop là. Et après, tranquille, tu l'aides, papa. Oui, à 68, tu l'aides, papa. Je voulais plus savoir si vous avez bien reçu la conférence par PDLC, parce que je n'ai pas eu d'acknowledgement. Négatif, donc je pense qu'on va vous demander la clairance par les moyens classiques, s'il vous plaît. D'accord, alors la mise en route approuvée, le départ Eric Sunes au Whisky de 24, niveau 8, 0 initial et transpondeur nul.
Un départ Eric 9 Whisky, la 24-0-8-0, c'est transpondant 1000. Vous êtes papa, la relecture correcte, un peu moins après. Et n'hésitez pas, je l'ai envoyé à un quart d'heure pour que vous avez assumé que vous l'avez reçu. Ouais, non, je regardais de mon côté si je faisais quelque chose d'incorrect, mais c'est très très longtemps que je n'avais pas essayé ça, donc je ne sais pas pourquoi tout ça fonctionne. Il y a pas de souci. Air France 1000, tournez à gauche 4-2-0, autorisé ILS, c'est maintenant. Par la gauche 290, autorisé ILS 25 Air France 1000. Alors, on a bien les signaux, le lock, le glide. On va pouvoir engager le mode approche. Et on a alt en acquisition. On va pas oublier de le remettre les landing lights, runway turn off et nose light to take off. Et à passer flaps 1, slat speed select, speed checked. Qui vient rouler par Foxtrot, Roméo et Tango 9. Voilà, donc, c'est 26 droite. Il est 39,65, roulé par Foxtrot, Roméo et Tango 9. Voilà, donc, c'est 26 droite. Donc Lockstar. Ah, il est 39,65, vous avez repoussé face à l'ouest. Alors, si vous êtes face à l'ouest, normalement, devant vous, vous avez Tango Bravo unité. Et après, à gauche, sur Foxtrot. A priori, de ce que je me vois bouger, vous êtes passé à l'est. C'est-à-dire plus dans l'autre sens. Alors, dans l'absolu, vous avez raison, mais en fait, les repoussages se font en fonction de votre propre stationnement et des chances de roulage. Et en fait, de là où vous êtes, le plus simple, c'est de vous faire sortir par Tango Bravo 1 et tourner par Foxtrot pour prendre la boucle. En fait, dans l'autre sens, c'est pas grave. Dans l'absolu, vous avez raison. Donc à ce moment-là, prenez à gauche sur Tango Bravo 2, puis Echo et Tango 1. Approche from Transavia 001, request the taxi in Beauvais. Donc speed break c'est pas encore non plus, donc speed break ça. 3-0, report ready.
armed now. Le glide va arriver. Glide star, you're down. Flaps 2. J'espère que c'est à peu près bon le français, l'anglais. Oui, il y a pas de glide capture. Vous me le dites. Je vous en faites pas. Il y a pas de soucis. Bon. Merci. Transavia 1060, j'ai un souci pour faire passer le plan de vol. Là, il ne veut pas reconnaître les. J'ai un message d'erreur là, qui m'indique que LFRN n'est pas connu comme code ICAO. Transavia 1060. Alors, 1060, moi j'ai un bon plan de vol. La seule chose, c'est qu'à la fin, vous allez rajouter DCT LFRN. Ah, c'est pas. Si vous voulez aller à la fin par indirect, vous mettez juste en pause DCT. Et comme ça, Flapstreet. Vous avez déjà LFRN, c'est pas de problème. Mais le reste est bon, moi je peux vous éviter ça, je peux changer la roue. La piste est en vue. Et Air France 1000 pour information, établit lock et glide. Merci Air France 1000, j'ai un autorisé atterrissage de 25 vent du 330.9. Et autorisé atterrissage piste 25 Air France 1000. Alors, autopilot off et autotrust off. Eh bien, learning checklist et gamme mémo, donc pas encore. Ok, donc avec un départ l'aigle, unité whisky pour la piste 30 avec un niveau de départ au niveau 80, enfin 8000 pieds et le transpondeur sur 1000, Transavia 1060. Donc landing checklist avec un mémo all green no blue et autotrust off, checklist completed. Et donc 1060 peut rester correct, rappelez-moi après pour le. Je suis prêt pour le repoussage, Transavia 1060. Donc Transavia 1060, le repoussage face au sud approuvé. Donc je repousse face au sud, Transavia 1060. Ça bouge un petit peu avec du vent de travers. Composante nord. La ville d'Atis-Mons sous nos pieds. Learning. Minimum. Learning, yeah. Reverse. Reverse is green. Whistle. Manual braking. Tiller on. Wanted you to call me back ready at the holding point, but no problem. So backtrack runway 30, report. Transavia 001 calling back when I will be ready for takeoff. Roger, thank you. Landing's off. Strobe light off. APU master switch. APU start. Et
3965, vous m'aviez mis le doute, mais j'ai quand même déjà hésité, donc je confirme dans les... On enlève le mode Charlie. Le repoussage se fait systématiquement face à l'ouest, sortir et aller vers l'est. Vous alliez vers l'est, vers l'ouest, ce sera un... Et c'est bien Whisky 36, on devrait avoir donc l'IMA 3 en face et le terminal 3, ce qui pourrait être bien. Et à France 1000, la piste est dégagée par Whisky 36. Bien, Air France 1000, roulez tout droit et la porte Alpha 02, ça vous va ? Il me semble que oui, c'est sur le terminal 3, oui, c'est, ça m'a l'air bien, oui. Alpha 02, toujours un petit problème de contact point. Transavia 1060. Hop là. Transavia 1060, roulez point d'attente de 30 et rappelez-moi après. Je roule jusqu'au point d'attente piste 30 et je vous rappelle après. Transavia 1060. Bon, bah, ça fait plaisir, il y a plein de choses encore à régler. On va rentrer les volets. Le repoussage face au nord approuvé. Il fait la tour. Et 3965 de Tango 9, alignez-vous, piste de 26 droite et attendez. Et donc Alpha 02. Paris approche, Transavia 01, ready for takeoff. Villa 01, you are cleared for takeoff, runway 30, wind is 330 degrees at 9 or north. Transavia 001, takeoff and now. Alpha 02 va éteindre la pub lead. On allait à 1060, je confirme, donc maintenez avant piste 20, pardon, avant piste 30 pour l'arrêt novembre à un petit peu départ. Ouais. Je fais au point d'arrêt 30, Transavia 1060 et je maintiens. 35 autorisé décollage, piste 26 droite, vendu 290 pour 8 heures. Et bizarre ce qu'il me fait, bon, c'est pas grave. Nicolas Approach, hello, SNM 4 November Charlie on second 3, requesting start up to Nisco Tessier Airport information, all service on board. SNM 4 November Charlie, hello, start up approved, expect the last half 5 Bravo departure out of runway 26 right. Initial climb level 120 and scope 15. Ouais. Expecting the last five level departure runway 26 right with the initial climb level 120 and scope 15. That's now 4 November Charlie. That's now 4 November Charlie, read that correct, report ready. What is that?
It's on the 01 radar identified. Continue climb level 190. Français 001, climbing level 190. Quand vous avez à 1060, remontez la piste 30, rappelez-moi au point d'attente Roméo 2. Je remonte la piste 30 et je vous rappelle au point Roméo 2, Français 1060. Ici 3965, identifié radar, montez niveau unité 9-0. Alors, external power on, appui bleed off, gen master switch is off, fuel pump. Puis. Allez-y, 3965. Besoin de vous monter encore pendant dans l'axe. Et Air France 1000, l'avion est calé, les moteurs arrêtés. Merci beaucoup pour le guidage. Avec plaisir, bonne soirée. Bonne soirée à vous, bon week-end. Air France 38, je vais papa, demandons le roulage, on est capable. 42. Je vais pas rouler pour l'attente 842. Pardon, 24. La compagnie. On roule le point à peu près d'ailleurs. Piste 24 via Whisky 42. Je vais papa. Bon. Eh bien, merci d'avoir suivi pour ce vol. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à très bientôt. Bonne soirée.